Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredge, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baton Kaitos HD Remaster. On s'était laissé après des avancées et quelques révélations qui ont soulevé aussi beaucoup plus de questions, puisque ça y est, on a enfin réglé son compte à Giacomo, mais, tout ça était une feinte et une diversion pour permettre à Gheldoblin d'aller dans les grottes de lave qui sont juste là devant moi, mais je ne peux pas encore y aller, puisque il faut d'abord aller au village pour se reposer et continuer notre discussion, et surtout prendre les trois niveaux que je dois prendre. Ma foi, fort désertique ce village au milieu du désert. なんだかやけに寂れた村だな。以前は村ももっと大きく。そうなのか。じゃあなんで。民鷹で聞いたでしょう。1年前のアザー掃討作戦の噂を。 この村は昔から 近くの火炎洞窟より産出される豪鉄鉱の原石を帝都へ納めています。ところが1年ほど前のある日、毎日毎日延々と続く重労働に不満の声を上げて、村人たちは原石を帝都へ送るのを故意に遅らせたのです。実はそれ以前にも帝都に対し 幾度も村から陳情がなされてはいたのですが、その声に耳を傾ける人間は都には誰もいませんでした。村人の犯行に激怒した皇帝は見せしめのために村の主だった者を処罰するよう指示しました。つまり有無を言わさず殺せと。 私と私の部隊が戦闘に立ち、反乱分子を殲滅した。なんだって？それじゃ、まさか、サミナ、あなたは狂老部隊の。なあ、聞いたか？死神があの NAにいたらしいって。死神って、あの殺戮マシンって呼ばれてた？ ああ、お前も聞いてるだろ？何やら皇帝の極秘の計画が動いてるらしいって噂は。それであの NA に出張った奴がそこでチラリと死神の。本当か？奴が姿を消してからもう 2年にもなるんだぜ。どうせまた見間違いかなんかで。おい、あれ。うん、どうした？ なんだ、アリア。どうやら急いだ方がよさそうだな。狂老部隊の死神、まさかあなたか。なんだ？それじゃサビだ。結局お前、その狂老部隊って。 Parce que tu sais ce que c'est que l'escadron des loups enragés, Gibari? Vraiment? Bon, si on pouvait ne pas en parler au milieu de la rue, par contre, bah. Sabina, anta tashika, ano NA de jibun wa teikoku no gunjin. Ah, watashi wa ima wa mou gunjin de wa. Shikashi. Betsu ni, jiman shitai you na kako de wa nai. Dou shita ne? 突然明らかになった過去で。水地様。Bah, on va essayer de savoir un peu plus sur l'histoire de Sabina quand même. ああ、分かったな、サビナ。この村を襲ってから。待って、カラス。もうこの話はそれくらいにして、火炎洞窟へ移行している間にも。
いつゲルドブレイムが最後のエンドマグナ解いてしまうか知れないわ。ああ、わかったよ、シェラ。Tant pis, j'aurais essayé. まさかよりによって、サビナ。僕はあなたにどうこう言える立場ではありませんが。しかやめとけって、リュード。人はそれぞれやらなきゃいけないことをやる。周りでとやかく言っても始まらねえ。てめえがやったことのツケはてめえで払う。それは確かに。リュード。ええ、わかりました。火炎洞窟は村を通り。Non mais moi je veux aller au temple, j'en ai rien à faire de votre grotte, je veux prendre mes niveaux et potentiellement des changements de classe aussi. Tu fais sécher ton linge, ouais, alors il va sécher c'est clair mais il va prendre aussi beaucoup de vent ton linge là. Blablabla. Ok. Les gamins arrêtez de me suivre. Ah ah, téléportation. Vous ne pouvez plus me suivre. Alors je sais plus si j'avais des constellations à déposer, c'est pas très grave. Là ce qui m'intéresse c'est clairement... mes trois niveaux. Voilà. Mes quatre niveaux. Par contre, j'aurais préféré que... qu'il y ait quelqu'un qui change de classe quand même à un moment donné. Parce que bon... il n'y a que Kalas qui est classe 5. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Heureux, désolé, petite ellipse. Donc, changement de classe pour la demoiselle. Ok, Gibari. Qui est avec 4 niveaux de retard, a plus de PV que tout le monde, quasiment. Bon, ok. Sheila, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc si j'en crois ce que j'ai vu dans les commentaires, ce qui a l'air de ressortir, c'est que vous aimez bien soit Kalas, soit Sheila, l'un des deux. Savina, vous êtes assez unanime sur le fait de la garder. Et après, c'est un peu kiff-kiff, en fait, entre Mizuti et Liyude. Donc, pour le moment, on va rester avec cette équipe-là. Je dis pour le moment. Puisque, il va falloir aller voir Gildublame. Alors, il doit y avoir un magasin quelque part... Ah oui, là, t'es bien caché, je pense que je ne te retrouverai pas. C'est clair. Mais c'est quoi son problème? Bah, sûrement qu'elle a vu Savina. Alors, vous la faites là-bas, ses parents ont été tués par les soldats impériaux. Oui, d'accord. Y'a personne avec un bracelet à tout hasard, nuit et jour, travailler, blablabla. Hello! D'accord. Laissez-moi tranquille, pas de problème. Une pierre ardente, j'ai pas de pierre ardente, j'ai... Ah! Ma graine céleste qui a enfin éclos pour devenir un bouton céleste. J'ai toujours ce truc aussi, là, qui... Je sais pas quoi, s'il servait vraiment à quelque chose, mais bon. J'ai pas de pierre ardente, désolé. Bonjour. Tu as pas le temps de discuter avec... alors arrête de me parler. Arrête, t'as pas le temps, arrête. Qu'est-ce que je veux? Rien. Rien, je cherche des gens avec un bracelet ou d'éventuels coffres. Un pas de plus, sur le dos, une Almeca, tu viens donc de l'Empire. Cet homme derrière toi, je reconnais cet uniforme, tous les hommes portaient le même. Ils sont venus, ils ont commis des crimes atroces, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, vous les avez tués. Ce n'était que du bonheur, j'ai peur. Donc le village est de nouveau envahi par les soldats, vous êtes venus au massacre les villageois, partez immédiatement, je ne vous laisserai tuer personne. Bon c'est bon, t'es un gamin, pousse-toi. Nous ne sommes pas... Taisez-vous, je vous ai demandé de partir maintenant. Non mais... Bon, d'accord. Dépêchons-nous avant qu'une nouvelle tragédie se produise. Très bien.
On viendra discuter avec les gens une autre fois. ぼーっとしている、サビナ。作戦行動中だ。市場を挟むな。サビナ。 おい、サビナ。 行こうぜ。 Attends, je voulais aller voir l'autre maison, c'est sûrement le magasin du village. いよいよ残された最後のエンドマグナスか。なあ、ここまでよくありがとう。でも、もう一度だけちゃんとこれで最後になるかもしれないしな。5つのエンドマグナスが集まれば俺の願いは叶う。 ここで終わるんだ。俺たちの旅は。カラス、私たちの旅は忘れないでね。それ。ああ、シラ。さあ、5つ目のエンドマグナスが封印。残りのエンドマグナスを取り戻すね。絶対。言っておくが、誰一人として許可なく戦闘不能に陥るな。足手まといは置いている。 Ouais, on va y aller. On va y aller. Je ne commenterai pas tout ce qui se dit. Je vous laisse observer et je vous laisse à vos suppositions. Puisque n'oubliez pas que malgré... Parce que je voulais faire... N'oubliez pas un truc. Gardez un truc à l'esprit parce que là, on a tendance à l'oublier. On ne sait pas comment notre Magnus, le Magnus du Torse, est allé entre les mains de l'Empire. On soupçonne un traître. Donc y a-t-il vraiment un traître? Ou alors, est-ce que c'est... Oh, là, mais elle a un peu noirci la photo. Est-ce qu'il y a vraiment un traître? Ou alors, est-ce que c'est vraiment l'Empire qui nous l'a volé à un moment donné? Réponse incessamment sous peu. On achète tout. Alors, une épée chrono, je prends la pagaie de lumière, je prends la griffe, je prends la côte bleu ciel, je prends ça, je prends chrono 3, O4, le zozio iroquois, je prends.
Alors, mes outils. Le Zozio Iroquois, plus d'attaque et d'agilité, c'est très bien. Ensuite, au niveau du Magnus, j'ai l'épée chrono, je peux la mettre à la place de... Quoi, on va ranger un peu, parce que on y voit plus très clair là-dedans. Alors, j'en ai 4, ouais, si j'en mets plus, c'est peut-être un peu trop quand même, non? Ouais, remarquez, elles font 108 d'attaque, hein. Celle-là, elle fait 28. Allez, dégage. Hop, oh, doucement. Donc ça, après, 75, 103, 65. Oula. 60, 53. Ah bah écoutez, on va enlever... Savina, est-ce que toi, tu as besoin... Ah. Il ouais, y a peut-être des trucs, alors attends. Là, on enlève, je te mets la griffe. Ensuite, 65, 75. Ça et ça, j'enlève. On te donne ça et ça. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup d'objets de défense, en fait, Savina, mais là, je vois pas trop ce que je pourrais lui enlever. Mes outils, on va lui mettre... Bah, chrono 3, c'est bon. On va peut-être lui mettre, dans ce cas-là, on va enlever un eau. Ah, de l'eau, j'en ai 5. Pourquoi j'en ai 5? Attendez. Voilà, j'ai 3 vents. Ouais. Alors, on va peut-être enlever un truc d'eau et on va lui mettre de l'eau 4. Le chrono 3, on va pas le mettre. On va donner ça à Sheila. Chrono 3, eau 3. Voilà. Et du coup, bah, on va les donner à Kalas, hein, les trucs là. Hein. Donc on va enlever ça. On va mettre 103. Ensuite 65 et 75. Donc 63, 53. Allez, on enlève. 75 et 53, on enlève. Tac, voilà. Allez, c'est parti, on part dans les grottes volcaniques, direction le cinquième Magnus ultime. Alors... Damn, Victon, shinai. On peut pas la défoncer, la porte? Oye, anta, anta no kata no somo hishouki. Ah, tashi... やっぱりな。そんな代物を作れるのは世界しかし懐かしいな。待てよ。だったって。ああ。死んだ。そうか。死んじまったのか。そうだ。立ち話もなんだし、わしの小屋に。悪いけど、俺たち急いでるんだ。 Et donc toi t'habites dans la mine. Dans la mine, dans la mine. Oh, un coffre. Alors, je suis content que vous soyez venus, ces amis, et toi, je vous attendais. Dis-nous tout. いや、わしもずっと昔にゲオルグの下で働いておるが、この村の出てな。若い頃からいろんな仕掛けをこさ、後にも先にも並ぶもののない凄腕の技術屋だ。まあ、無口な人付き合いの悪い。もう20年も前になるかな。 それがその頃見知らぬ連中がちょくちょくじいさんを訪ねてきて、何やら話し込んでおったようだったが、言われずともみんなピンときたよ。あれはそれでおそらくゲオルグは技術者としての腕を、やつの腕ならそれもムベなるかなと、みんなでうなずき合ったもんだ。そういや、じいさんには当時13になる息子がいたな。 その後何年かして、その子が帝国軍に入ったらしいとか一度何かの折に聞いたこと、あんた、ゲオルグのことをひょっとしたら、
ジャコボのせがれか？まさか。冗談じゃないぜ。誰があんな奴の。まあどんな事情があるのか。その後はギョルグの噂もジャコモの噂もとんと聞かんかったな。今ではジャコモ、son problème est réglé。お方も二人の、ああそれから爺さんと一緒に出てったラリクシュ、奴はどうした？ラリクシュも腕のいい医者じゃったが、よく二人で何やら難しいことを議論し。ラリクシュ。On l'a entendu au tout début du jeu, c'était le médecin qu'on avait vu. Oui, le don de la récouche me dit quelque chose. Alors, t'étais... Ah, par contre, le village, je t'ai plus. Hein. Donc, c'est pas Mintakaeva. Ça doit être Celebrai. Hein. Perka, ça doit être la capitale du duché. Ouais, ça doit être Celebrai. Ah, soka. Kevarurai mura no isha da. Ano sensei mo tashika Larikushi, sasuga. Shikashi masaka Georg. Oh, moshi mata Larikushi ni aou yona koto ga atta. Ah, wakatta yo, jii-san. Ah.確かこの辺にあの扉を開けるにはちょっとした工具が必要。ああ、あったあった。よし、わしは先に。Attends, il y a un coffre. Je veux prendre le coffre d'abord. Arrêtez de me faire faire des allers-retours pour rien. Nom de Dieu. Voilà.Oh, la monirie, ça doit être pour Kalas en plus. Oui, donc du coup, on enlève... Alors, j'ai 5, 3 et 4. On enlève le 3. On prend le 6. Voilà. C'est bon, t'as ouvert ? Bon, cette fois on y est. Il est temps de rejoindre Gildo Blame-sama. Alors, il y a l'autre qui voulait une roche ardente. Je me demande si je vais pas le faire tout de suite. Parce que j'imagine que la roche ardente, si je la garde trop longtemps, elle risque de devenir une roche classique. Que faisait-il à Mintaka? On verra. Donc, est-ce que je peux prendre essence de magma lave? Alors, la lave en elle-même ne m'intéresse pas, mais si on peut la prendre, je vais la prendre. Alors, il y a un truc à droite, un truc à gauche, évidemment. Oh! Stock obscur! Mince. Alors, voyons. J'en ai 4 de ténèbres, 5 de lumière, 48, 23. Bah, celle-là, 23, c'est bon, il est temps de l'enlever. Hein. Il est temps de l'enlever, celle-là. 23, c'est caca. Voilà, ça c'est bien. Bon, alors, testons un peu les mobs. Bonjour! Pas mal du tout. Bon, pas plus d'expérience que ça. Du blé, ouais, très bien. Les moumouches là, venez là. Les moumouches troglodytes. La moumouche troglodyte.
Bon, bah ça va. Les mobs sont pas très forts. Par contre, je préfère le corps d'Indra, clairement. Clairement. Liu Dei, on va t'enlever le truc qui attaque à 20 pour te mettre le corps d'Indra. Ensuite, toi la moumouche. Moumouche. Eh oh, la moumouche. Voilà. Alors, à gauche ou à droite, je sais pas. On va voir. Hein. Bon, je pense qu'une attaque de vent, ce sera pas aussi puissant qu'une attaque de vent et une attaque spéciale de temps. Une attaque de vent ne sera pas aussi puissante qu'une attaque de temps, pardon. Et une attaque spéciale de temps. Ouais, ça va. Allez, coucher. Tu me suces le sang, toi, t'es comme ça. Très bien, si tu veux. Bon, par contre, tu veux pas mourir, mais à un moment donné, tu peux mourir aussi. Hein. C'est pas grave, c'est moins cher que gratuit. Hein. Allez, tiens, comme ça on verra l'attaque de temps. Parfait. Très joli comme attaque. Alors, l'épée de ténèbres, je prends. Ça c'est combien? 50. Bon, ben, on va enlever celle-là, on va la remplacer par une attaque, une épée plus puissante. Hein. Ok, bon, on va commencer par la droite et on verra après le chemin à gauche. Voilà, bonjour. Et le truc a survécu. Bien. Et je pense que ça suffira pour toi. Voilà. Et le dernier. Et 5.
Alors, prends la photo. Alors là, à droite, il y a un point de sauvegarde avec un coffre. Et là, il y a des cristaux. Et on va voir. Bien. Bien joué. Allez, voilà, carré de 6. On va s'arrêter là parce que comme ça j'ai le bonus du carré de 6. Alors, griffe de panthère, c'est très bien. J'en ai bien besoin. On t'enlève ce truc qui attaque à 28. La griffe de panthère, voilà. Alors, à quoi ça sert ces cristaux là? De la glace au milieu de la lave en fusion. Ouais, et alors comment je... Il y a de la glace, d'accord, mais je peux pas... Je suis censé en faire quoi, en fait? Je comprends pas. Parce qu'il y a pas... Vous savez, il m'ouvre pas le menu comme quoi je peux utiliser un objet. Donc ça veut dire que j'ai pas un objet là à utiliser. Bon, c'est bizarre. Ok, on va partir de l'autre côté. Là, par contre, je pense que les ennemis ont repop. Ouais. Donc comme les ennemis ont repop, on va mettre en accéléré. Et on fait les combats, par contre. Toujours pareil, entraînement, on néglige pas. Alors, Savina, pour l'eau, on t'enlève celui-là, on te met celui-là. Alors, bonjour. Oh, sabre solaire, bien ça. Donc on t'enlève cette épée là pour te mettre celle là. Mais là, il y a de la lave, on peut pas passer. Certaines parois de la grotte ont été détruites. Les soldats impériaux ont dû bloquer la lave avec... enfin le passage avec de la lave pour éviter qu'on les suive. Ben, il y a de la glace. Il a dit que c'était sa grotte, ce biome c'est sûrement quelque chose, c'est sa grotte. Bon bon. Tout ça pour dire qu'il faut aller lui parler. Très bien, on dit. Alors, le vieil homme, bonjour. La grotte est inondée de lave. Laissez-moi deviner, la lave vous empêche de descendre. Oui, c'est ça. Il suffit de refroidir la lave. De la glace carbonique. Ok, très bien. Allez, on retourne chercher la glace. Comment faire des allers-retours inutiles pour rallonger la durée de vie de la zone? Alors, du chêne rouge, c'est bien, hein. J'ai plein de pagaies pour Gibari, mais je les utilise jamais. Oh, concerto! La glace, oui. Voilà, je vais en prendre d'autres, non? Non? Bon. Dans ce cas, tic, on ramène tout. Toi là, toi, viens mourir. Aile de Fallen, très bien. Tic, monsieur, j'ai votre glace.
La glace carbonique est une matière naturelle qu'on trouvait partout à Assam, et la chaleur qui règne dans cette grotte, rien ne pourrait la faire fondre. Vas-y. Alors, tu vas mettre ça dans la machine, petit hook. Et maintenant, je peux prendre une essence de glace pour refroidir tout ça. Très bien. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Ah, merci pour le Magnus, ça c'est bien. Oui, je vais en prendre, du coup, j'ai 3 Magnus de livre, si je me trompe pas, je vais en prendre 3. Non, j'en ai pas d'autres. Alors, est-ce que la glace... Non, c'est toujours de la lave, ok. Alors, c'est tec. Tec. Restore 300 PV, ok. Alors, la fameuse glace carbonique. Voilà. Là, je peux descendre pour aller récupérer le coffre et le point de sauvegarde. Ah non, pas le point de sauvegarde. Alors, barbillon de sciure, je sais pas ce que c'est. Et un pendentif en or. Alors le pendentif, pour le coup, ça s'équipe. Par contre, le barbillon de sciure. La classe 5 de Gibari. Bon, ben Gibari, on s'en fiche, donc ça peut attendre. Hein. Clairement, Gibari, on s'en fiche. Toi, c'est... je t'avais pas mis, parce que c'est pas intéressant. Liudé. Pendentif en or, très bien. Ok. Ah, toi, je t'avais pas mis ça. Ah bah oui, Gibari. Voilà. Ok, bon, alors le point de sauvegarde, c'est pas là. Ah, bordel. Allez, dégagez. Et donc le point de sauvegarde est juste en bas là. Parfait. Et il y a un coffre également. Alors, le cornet de Veda. On enlève ça, on te met ça. On refroidit la zone. Voilà, là il y a un bignou doré, donc on ira voir ça tout à l'heure. D'abord, un sabre solaire, je prends. À la place de ça. Voilà. On se remet en mode normal. On sauvegarde. Quel doblet doit être juste derrière. Et on s'arrête ici pour cet épisode. Je veux pas aller affronter Geldoblame maintenant parce que il va y avoir un combat, il va y avoir du scénario, ça risque d'être un peu long, j'ai pas envie que l'épisode soit trop long. Voilà. Donc, je vous invite à ne pas manquer le prochain épisode. Les révélations, le cinquième Magnus, tout ça. Est-ce qu'on va sauver le monde? Est-ce que tout va partir en cacahuète? Vous le saurez au prochain épisode. Allez, salut tout le monde, c'était Paredge.